Ok, nounours, heureux. Ok, pas de souci. Bon, à mon avis, tu vas reprendre direction Saint-Amand et puis reprendre l'autoroute, la direction Marchien et puis Orchies et compagnie. Après un blanc, ouais, je connais très bien hein, ce forum-là. Hein. Bah, moi aussi, hein, c'est à peu près la même situation que toi. Hein. C'est grâce à eux, pour les canaux normaux, c'est grâce à eux que je retrafique dessus. Après, ils ont une page Facebook aussi. Hein, donc, au passage, coucou, Hachi, si quelqu'un nous écoute. Ouais, c'est à peu près grâce à eux aussi hein, que je suis reparti sur les canaux-là. Et puis, ça m'a fait plaisir. En plus, on rencontre des gens. Hein. T'es déjà la cinquième ou sixième personne hein, sur le canal 19 que je parle à chi. Non, non, négatif, hein, négatif. Je l'ai pas encore reçu cette personne-là, cette station-là, pardon. Je n'ai pas encore entendu de mon côté. Après, vu que là, je suis un peu plus à l'écoute, peut-être à l'occasion. Ouais, ok, pas de souci, hein. À l'occasion, hein, j'essaierai de la choper, hein, vu que je suis souvent à l'écoute, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci, hein, à l'occasion, s'il passe dans le secteur, je vais sûrement l'accrocher, après, moi, j'ai pas beaucoup de watts, hein, non plus, hein, je l'ai dégonflé, le petit jack, là, vu que, quand je l'ai acheté, il était bien gonflé, et là, je suis passé à 8 watts, donc, je crois que ça va être un petit peu compliqué de mon côté, hachi. Affirmative, normalement de base c'est 10 watts, hein, 10 watts donc ouais, le Jackson il a été vraiment gonflé hein, parce que moi déjà quand je le pousse à 15-20 watts, la modulation en AM
elle devient saturée, très très saturée. Du coup, bah là j'ai trouvé le bon équilibre entre 8, 10, mais bon, je préfère 8 watts, au moins le PA, il durera un petit peu plus longtemps, et puis surtout que c'est un vieux poste, vu qu'il faut le laisser le temps de chauffer et tout, donc j'ai préféré le baisser un peu, au moins je sais qu'il durera un petit peu plus dans le temps. Après un petit blanc d'usage, ouais, bah là c'est moi, c'est d'après ce que j'ai regardé, c'est la version 2, hein. Pareil, c'est le gris, là, le gris avec les boutons chromés, là, je l'ai récupéré pour pas trop cher, donc il me convient très bien, malheureusement, bah, il se décale, hein. Il se décale vraiment à chaud en USB, bon, après je trafique pas trop en USB, donc c'est pas un problème de ce côté-là, mais bon, on fera avec, hein. Mais bon, il fonctionne très très bien en AM, FM, donc que demander de mieux, chi. Affirmatif, ouais, tu es passé au 4 feux là à Rosu normalement, et tu iras en kill à rond-point pour accéder à la 23. Ouais, je connais très très bien en tout cas, hein, ce secteur là. Ah, pour en revenir au Jackson, ouais, bah souvent on en trouve, hein, dans les Emmaüs ou quoi que ce soit, on les trouve vraiment pas cher, hein. Après, même s'ils sont pas vraiment fonctionnels, on peut quand même récupérer des pièces, un bouton, un vue-mètre, un cadran, un bouton, plusieurs trucs, hein. Franchement, on peut les trouver à certains prix. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les vendent très très cher, hein. Ils sont vraiment cotés très cher, mais bon, moi je récupère des pièces à droite à gauche et puis je les retape, hein. Après, bah celui-là, pardon, il est vraiment propre, hein, que j'ai récupéré, mais bon, avec la chauffe, l'âge, il a fait son temps à mon avis, mais bon, pour la modulation AM FM, ça me convient très très bien. Et là, en tout cas, je suis en train de filmer, hein, je suis en train de filmer, tu verras si sur YouTube tu taperas 14 FRS 2719, et puis bah avec ta permission, bien sûr, si je pourrais mettre la vidéo comme ça, bah tu pourras voir comment tu passes, Hachi.